au fil des premières sessions, ils ont accumulé plein de connaissances. Ils ont dessiné leur feuille de route, décidé des sujets qu'ils voulaient développer. Et maintenant, ils ont pu épuiser toutes les discussions pour utiliser toute cette matière qu'ils ont emmagasinée, toutes les idées qu'ils avaient, toute la richesse que la diversité du groupe apportait sur chacune des propositions. Donc maintenant, on a vraiment cette liste de propositions avec beaucoup de contenu et certaines qu'ils ont priorisées, soulignées que c'était vraiment des choses qu'ils ne voulaient pas rater, qu'ils voyaient que c'était quelque chose de structurant, qu'ils voulaient, qu'ils pensaient. Ils n'ont pas encore décidé sur, mais on voit des propositions, ils y pensent, ils se disent, on pense que celle-là, elle va aller au bout. À ce stade, encore des propositions qui sont celles des groupes thématiques et progressivement, il va falloir qu'elles soient acceptées, appropriées et aussi travaillées par tous les groupes. En session 5, donc, les citoyens vont d'abord travailler sur le sujet de la Constitution à 150. Ils vont ensuite, plus tard, s'approprier le sujet également du financement de manière collective à 150 avec des modalités participatives pour qu'ils soient aussi en petits groupes. Et puis, il y a cette question du livrable. Pour l'instant, on a beaucoup travaillé le contenu. On commence à avoir une justification pour chaque mesure, pour chaque thématique, pourquoi c'est important pour eux de porter ces sujets-là. Et ils vont aussi progressivement définir à quoi va ressembler le livrable final et comment ils vont porter vers la société, vers les décideurs, sous forme de livrable, l'ensemble de ces propositions.